Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Een tridinor staat mooi in de weide, maar bij Christian Brezignac kriebelt het dan om met een Noordtrekpaard iets te doen. En waarom niet ook in competitieverband? Wanneer je een tridinor goed opvoedt, dan heb je een explosief dier waarmee je naar de wedstrijden kan. Christian vertelt over zijn passie. Bonjour à tous. Donc je me présente, Christian Brezignac. Je suis vice-président de l'association des Traits du Nord. Je suis dans la race depuis les années 2000. Voilà, donc j'ai attrapé le virus du Trait du Nord par le biais d'un éleveur, le père d'un copain qui avait un cheval Trait du Nord. Et à l'époque, quand j'étais gamin, je faisais de l'équitation dans un centre équestre classique. Et j'étais impressionné par ce cheval grand, costaud, puissant. Du coup, voilà, je me suis intéressé à ce cheval. Et j'y ai pris goût, j'ai voulu savoir comment il fonctionnait et du coup je me suis intéressé à lui et puis pour le monter, l'atteler et tout de suite j'ai adoré ce cheval. Alors c'est la particularité du Trait du Nord, c'est un cheval puissant, très docile, très facile à débourrer, très respectueux de l'homme. Donc ça en fait un allié de tous les jours en fait. Alors en premier lieu, lorsqu'on veut acquérir un Trait du Nord, c'est la passion. Faut être passionné déjà pour avoir un cheval, faut aimer les animaux, faut savoir que c'est un entretien du quotidien. Voilà. Ensuite il faut de l'herbe, hein. On considère environ 1 hectare par cheval. Hein. C'est la surface minimale pour qu'il puisse évoluer librement en période estivale, de préférence l'hiver, il lui faut un abri quand même. Voilà. Ensuite, ce cheval, ensuite par plaisir, hein, par plaisir, on a un Trait du Nord. Ensuite vient le loisir, hein, on peut le monter, on peut l'atteler. Hein, et puis on peut l'amener en compétition, hein, puisqu'un cheval Trait du Nord, aussi placide que ça peut paraître, ça peut devenir un animal très, très puissant et très vif. Lorsqu'on l'éduque et lorsqu'on l'entraîne, ça peut devenir une véritable bombe. Je vous parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait un petit peu de compétition avec les chevaux de trait. Alors sur un peu tous les fronts, puisque j'ai fait du débardage, donc le cheval est au cordeau, menage au cordeau, et de la compétition attelée, voilà, notamment sur les championnats du salon de l'agriculture, salon du cheval, les sommets de l'élevage à Cournon d'Auvergne en France, et puis les compétitions de débardage en France et à l'étranger, en Belgique, notamment à Libramont. Demo Forest, tout ça, ce sont des belles compétitions européennes où qui regroupent des débardeurs professionnels avec un bon niveau, donc ça demande beaucoup d'entraînement et c'est très sympa à réaliser. Alors le Trait du Nord, c'est un cheval rustique, hein, assez facile à élever, qui tombe rarement malade. Hein, ça demande du soin, hein, ça demande des vermifuges réguliers, hein, mais du coup c'est quand même un animal assez rustique, donc ça demande de l'entretien, mais pas autant qu'un chien, quoi, pourrait le demander. Voilà. Donc pour acquérir un Trait du Nord, il faut simplement avoir de l'espace, hein. Ça j'insiste, hein. Un Trait du Nord, ça a besoin d'espace, ça mange quand même relativement beaucoup de fourrage, hein. Donc il faut quand même soit de l'herbage et l'hiver du foin et un complément minéral et azoté, puisqu'il lui faut des minéraux, hein. Voilà, et puis de l'eau, hein. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout, hein, de la paille pour la litière. Alors bon, forcément, la paille, ça génère du fumier. Alors attention de ne pas se faire prendre, hein, un cheval, ça mange, ça fait des crottins. Le crottin, il faut savoir ce qu'on en fait. Hein, donc il faut trouver aussi à écouler le fumier. Hein, ça, c'est les choses auxquelles il faut penser avant d'acheter un cheval. Voilà. Moi, je retrouve dans le cheval de trait une sensation d'apaisement.
d'apaisement. J'ai un métier stressant et qui me demande parfois de ralentir et puis de m'apaiser. Et le cheval de trait, il a tendance à être apaisant de par son calme, de par sa gentillesse, de par son respect de l'homme et toute la complexité qu'il peut apporter à l'homme. Ça, c'est quelque chose, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en séparer. Voilà, c'est ça.